Et bien salut à tous, c'est Superflo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle découverte, comme vous voulez, sur ma chaîne Twitch et bien sûr rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas compris encore ou si vous connaissez pas encore le concept que je fais, donc c'est tous les morceaux, les mardis soirs, c'est les découvertes des mardis soirs. Et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Cuisine Royale, c'est un Battle Royale qui est sorti en 2018, disponible sur PC. Alors je ne sais pas s'il est disponible sur console. On va découvrir ça ensemble sur ma chaîne Twitch. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez du jeu, donnez votre avis dans les commentaires. Et si par exemple vous voulez tout simplement participer aux idées de vidéos le mardi soir, donc les découvertes, donc vous pouvez venir sur Discord et vous allez dans le salon exprès créé pour les propositions des jeux dès mardi soir. Donc si vous n'avez pas Discord, c'est pas grave, vous pouvez proposer sur YouTube juste en dessous la description dans les commentaires. Donc c'est très simple, juste avant, si vous devez proposer par exemple des jeux à découvrir, ça soit des jeux gratuits ou payants, vous pouvez vous marquer bien sûr la plateforme, le nom du jeu, le prix à côté, donc pas plus de 40 euros. Et du coup, on pourra découvrir ça tous les mardis ensemble. C'est une nouveauté sur ma chaîne Twitch. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vous dis à tout de suite. Et du coup, là, ça commence direct ou c'est le chargement? Par contre, le son est super fort. Je sais pas si vous, ça va vous démonter les oreilles, mais. Par contre, madame, elle est bien équipée au niveau des armes. On a un pistolet. Par contre, ouais, je sais pas du tout. C'est. Je pense que ça doit commencer direct. Un peu du mal pour l'instant, ok, on a une carabine, par contre, une arme. Ah ouais, je peux pas changer d'arme. Ok, ça va. On a une carabine et une batteuse, ou je sais pas comment ils appellent ça. Franchement, la map elle est pas dégueulasse, on va dire. La map elle est vraiment bien. Machine à sous, okay, sérieux. Vous l'avez fait. Il vous faut 14 pièces, ah d'accord. Autant pour moi. Le jeu est vraiment pas dégueulasse, même la map. Un peu du mal à vrai dire, c'est que bah, pour l'instant c'est le début. Ok, est-ce qu'on peut voir? Ah mais voilà, on voit des choses. Concert en verre, ok. Donc du coup il y a des machines à sous, ok, pourquoi pas. On est combien? On est 39 survivants? Ok, pourquoi pas. Enfin, comme je vous dis, moi je connais pas du tout le jeu, donc on découvre, c'est le but. Des mardis soir découvertes. Par contre j'aimerais bien savoir. Ah, pourquoi je peux pas revenir? Ah d'accord, c'est ça. Sur mes touches. Ah, il faut rester appuyé pour viser. Attends, c'est ça. Hein. Ah non, même pas besoin du coup. Ok, autant pour moi. Ah, prends la batteuse en main, on sait jamais. Après, je sais pas si... L'espace est restant. Ok, d'accord. Mais la zone, elle est où en fait? Comment on fait pour la zone? Je pense ça. Salut Alex. Donc franchement pour un jeu qui est sorti en 2018, franchement il est pas vraiment crade on va dire le jeu. À part qu'on n'a pas de vêtements pour la dame, mais ça pète dans le coin. Ouais. Ça ressemble beaucoup à du PUBG en fait au niveau du décor. Ouais, on voit vraiment que bien en fait. Par contre on voit pas trop les choses qu'il y a là. Si. Ah si on voit un peu, mais ouais, c'est pas vraiment voyant. Ah mais tu peux monter là-haut sans blague. Conserve. Ok, y a pas. On a des choses là. D'accord, ça me sert à rien mais ouais. Ouais, pourquoi pas. Ah, ça pète. Ouh, ça tire. Y a un véhicule là-bas. Ouh. Ok. C'est moi ou il y a une personne. Par contre, c'est tellement grand. On est dans des déserts, non? On n'est pas dans un désert là, on a l'impression. Si, c'est un peu simple. Mais ça ressemble beaucoup à du PUBG, j'ai l'impression. Par contre, j'ai un peu du mal avec les touches. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Donne-moi la carabine. Il y avait pas un joueur là? Genre, il y a un feu de plomb.
Non, par contre, riposte de si je dois crier, ok, aussi y a un mec qui est planqué. Je sais même pas si on a des jets par balle là-dedans, je sais pas du tout. Je croyais qu'il y avait un mec dans le coin, je suis pas fou non plus. On est bien d'accord qu'il y avait un mec, hein. Alors vous voyez pas, mais derrière moi, si je me décale, vous avez juste la map ici en fait. La map elle est là. Voilà, si vous voyez, je suis en plein dessus en fait. On va essayer de prendre la hauteur, mais je sais pas si ça. Ça change quelque chose, mais bon. Par contre, je trouve que le jeu il est magnifique quand même. Hein. On a trouvé personne, mais je trouve que le jeu est vraiment magnifique. Hein. Par contre, j'ai pas de la touche pour m'allonger. Donc, tu vois, il manque des choses parce que mes touches, ils sont pas faites. J'ai lancé directement, mais mes touches sont pas allongées. J'ai pas. J'ai juste accroupi, mais j'ai pas les touches allongées. Ok. Ah, la tempête, elle arrive. J'aimerais bien rester derrière au cas où, on sait jamais. La carbine, c'est vraiment intéressant. Mais là, on peut manger, tu vois. D'accord, mais ça change pas en fait de manger, je comprends pas trop. Il n'y a pas une barre de vie. Le bruit que ça fait, on dirait des fantômes derrière. Je sais pas, ça fait le bruit bizarre. Je sais pas si vous entendez. Je sais pas si on peut aller voir même. Mais... Écoutez le bruit que ça fait. Ah, je sais pas si vous avez le son du jeu. Mais si vous entendez le bruit. Ça fait des cris bizarres, je sais pas c'est bon. Ah ouais, j'ai pas la map non plus par contre. On a une poêle derrière qui nous protège, mais on n'a pas d'habits, on n'a pas de gilet pas mal, on a rien en fait. C'était bon, par contre les mecs ils peuvent planquer. Alors je sais pas si on peut se coucher, mais si on peut se coucher, les mecs, franchement, ils ont une chance de me tuer quand même. Ça tient dans le coin. Si on peut faire au moins un kill. Ah ouais, mais t'es vraiment planqué en fait là-dedans. Ah, je crois que c'était un loot, mais non, c'est juste un rocher. Oui, il a l'air au moins, hein. Ça va. Moi je connais pas du tout le jeu, je découvre. On va prendre la carabine, la batteuse en main. Non, on va faire le loot. Y'a rien ici par contre à fouiller. Ça va au niveau de la visée, c'est pas mal, hein. Et tu retiens ta respiration. Ça va, le jeu, je le trouve vraiment pas machin. Par contre, désolé si la lumière elle est mal réglée. J'ai l'impression que j'arrive pas à la régler la lumière, donc j'espère que vous me voyez un peu bien. C'est. J'aurais pu mieux la régler, mais j'arrive pas en fait à la régler. Je sais pas, on entend un bruit bizarre, ça fait flipper. On peut pas monter sur les toits. Ah, c'est con par contre. Ça fait un bruit bizarre, je sais pas. On peut voir la voiture? C'est stylé au final ce jeu. C'est du mal à avancer. En même temps, c'est une vieille voiture mafieuse, ce genre de truc donc. Ouais, bah j'ai pas le permis, hein, désolé. Ça fait un peu de bruit quand même. Mais j'arrive pas à afficher la map vu que j'ai mes touches qui sont pas réglées. Si on peut faire un kill en écrasant une personne, ça me va. Pas du tout. Est-ce que vous pensez que la voiture fait plus ou pas? Question bête en même temps. Il est en mal, mais il y a quand même des véhicules, hein, si c'est cool. Hein. Oh, par contre, là-dedans, ça donne. Puis. Je me casse. Par contre, la vue, on peut pas la changer. Allez. Ah! Parce que le véhicule, il va pas.
Je vais tenter, j'aurais pu. On sait jamais, hein. Avec le waterproof, on sait jamais. Vu que le nom du jeu, déjà, il est assez waterfuck, on va dire. Cuisine Royale, ça s'appelle. Il est gratuit sur PC, donc franchement, quand j'ai vu le nom, je pensais pas du tout que c'était un Battle Royale. Pourquoi il y avait du wood par terre? On est pas dans la zone, demi-tour. Hey, on n'est pas en pilote. Allez, on se casse. Ah, ça tire. Je crois. Ouh, ça tire. Mais dis pas qu'il y a des animaux aussi là-dedans. Ouais, bah maintenant, ça pue. Véhicule là-bas. Vous voyez. Par contre, si je me fais tirer dessus, je risque d'avoir avoir peur ou faire des bons. Vous inquiétez pas ce genre de choses, si vous voyez que je fasse des bons, vous savez pourquoi. Ah d'accord. Je pense que par contre pour le looter, c'est pas vraiment facile, on voit pas grand chose en fait. Bah ouais, je peux les avoir. Par contre, ça pue les bâtiments comme ça, c'est trop grand. Par contre, on n'a pas de casque, on a rien. Où ça tire? Mais en fait, tu peux vraiment monter de n'importe où. Hein. Par contre, il y a un seul truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que. Waouh, mais non, mais planquer là-dedans, non, ça pue. Là-bas, il y a un mec. Sérieux, je l'ai pas touché? Tu veux me dire, je l'ai vraiment pas touché, mec? Et ouais, mais lève-toi aussi, toi. Prends la batteuse. Prends la batteuse. Eh bien, vraiment pas envie de prendre. Ah ouais, il me fait peur ce con, putain. Oh, je peux pas lui tirer dessus. Du coup, il me fait peur. Par contre, je peux pas lui tirer dessus. Mais il est vraiment protégé, ce mec, ou... Putain, mais le coup, il m'a fait peur en fait. Il est arrivé à fond, j'ai fait un boom. Top 9. Mais le mec, il est. Il est un peu cheaté, non? On est bien d'accord?